N'a pas poursuivre avec Journal ça ensemble avec ministère communication qui recevoit lundi 4 juin hein, directrice générale Institut bien-être social à recherche Ariel Gentil Villedouin dans cadre 44e conférence lundi de la presse. Dans occasion hein, directrice générale Iberslan parlait sous mission institution hein, processus adoption yon timoun dans pays d'Haïti réforme yo fait nan niveau ça pour assurer protection timoun à travers adoption. On suive yon extrait nan micro Rachel Saint-Fort ak Moïse Wilbridge. De 2012-2013, nous t'ai fermé adoption en Haïti pour nous t'ai fait on sort de réforme qui gagne toute garantie pour assurer nous que l'adoption c'est vraiment en mesure de protection. De 2004 à 2012, nous t'ai gagné Haïti passé de 8e position à 4e position après la Chine, l'Éthiopie et la Russie. Ou après que nous passons, nous avons gagné au moins de 2004 à 2012 près de 14 000 timoun qui partent en adoption. Donc près de 1 300 timoun l'an. Avec réforme, ça, nous avons moins de 400 timoun qui partent chaque année. Nous passons maintenant à l'adoption nationale et l'adoption internationale. Parce que y a des critères, bien entendu. Ou après que en Haïti, c'est un couple hétérosexuel qui a adopté un timoun. Il y a un certain âge, c'est à partir de 30 ans jusqu'à 50 ans. Et il faut qu'il y ait 5 ans de vie de mariage ou 5 ans de vie commune prouvée par autorité compétente, si c'est vie commune. Et donc, il y a un pile critère qui supposait respecter. C'est pour ça que là, nous recevons agrément, bien-être social que l'autorité centrale là, obligé de traiter dossier et ouais, si vraiment mon apte crédible et s'il répond à la loi haïtienne. Donc à ce moment, nous-mêmes, de tout orphelinat nous gagnons, ça veut dire nous avons une base de données, un réservoir qui là, et nous ferons les parents biologiques, là, c'est à ce moment que l'information dans le bien-être social. Après formation, ça, nous supposons voyer parents devant un juge pour enfants. Et c'est là que il y a consentement légal là. L'arrivée devant un juge pour enfants, il y a consentement, et à ce moment, il y a un mois de rétractation. Ça veut dire que parents ont droit à n'importe quel moment. L'on réfléchit que sincèrement, Timoun, personne n'a pas remplacer son maman ou papa, même leur adoptant décidé pour le faire, mais il faut réfléchir, est-ce que c'est une bonne solution pour Timoun? Donc, il y a un mois de rétractation. Et à ce moment, parents, lui-même connaît si vraiment, il voulait continuer dans l'adoption. C'est soit le présenter devant le juge là pour dire que je ne vais pas continuer, et à ce moment, on quitte le dossier à tomber et nous réinsérer Timoun dans la famille, ou bien, s'il pas jamais présenté, consentement légal, ça, retourner dans le bien-être social et nous posséder à apparentement Timoun avec des parents. C'est-à-dire nous garder profil qui est plus propice à Timoun. Ça, pas oublier que nous avons des Timoun avec des handicaps, nous avons des Timoun avec des besoins spéciaux, ou des Timoun à partir de 6-7 ans, c'est des Timoun à besoins spéciaux. Parce qu'en général, nous avons toujours demandé des petits bébés, demandé des Timoun 1 an, 2 ans. Donc ça veut dire que nous avons des considérations pour nous faire, pour nous garder qui profil qui correspond mieux à Timoun. Ça. Donc à ce moment-là, là, nous finissons apparentement. Parents adoptants qui recevoir profil Timoun, voyons réponse pour le dire oui que d'accord apparemment. Donc nous avons lettre de poursuite à la procédure. Et après ça quand même, nous demandons Mounio pour rentrer en Haïti pendant 2 semaines pour une période de socialisation. N'a tout profité enchaîner pour nous dire coup de thème, tant que tout citoyen, c'est sous thème ça, responsable Institut Bien-être Social à Créchechio, a célébré Journée nationale Timounio dimanche 10 juin, Cap Vinila. Pour marquer journée si la directrice générale Iberslan, Ariel Gentil-Villedouin, annoncé une semaine activité, tokou conférence, causerie, activité, salon, protection, timoun. On suive. Anessa, mwenge, comme d'habitude, le salon de protection des enfants. Li vraiment son salon qui est institutionnalisé parce que depuis que je suis arrivé dans le bien-être social, ça fait 6 ans que nous parlons de en général, nous toujours fait nos espaces, c'est la nouveauté année, nos espaces, qu'on compte l'hôtel, etc. Année, ça n'a fait dans le bien-être social. Et nous parlons de rénover le quartier dans le sens que, ou après que le quartier a tourné beaucoup plus ami des enfants. Sous tout quartier, oui, oui, Marguerite, là, pral gen des dessins, côté pral gen des timoun, pral gen des activités récréatives, côté timoun, nous avons senti que yo gen une institution côté yo ka vinn parler, côté yo ka vinn poser question et si yo gen problème que yo ka vinn parler avec nous. Et faut pas oublier que depuis 2012 nous t'ai inauguré un centre d'alerte côté où t'ai carrelé en tant que citoyen pour expliquer ça qui a passé si par exemple dans nos quartiers où y a bâton timoun, y a violé, li en situation de domesticité, comment pour gon implication citoyenne.
Donc c'est dans ce sens que Anessa nous dit bon, n'a continué dans le même mouvement, plutôt nous faire dans le bien-être social. Et je profite d'inviter tout citoyen dans le pays, toute société civile, tout partenaire, venez dans le bien-être social si nous voulons connaître ça n'a fait, qui mission nous, qui vision nous, qui ça n'a fait dans la protection de tout le monde, qui style réforme que nous faisons déjà. Donc l'important est pour tout le monde qui a venu dans le bien-être social pendant 2 jours, ça y est, qui c'est vendredi et samedi. Et bien entendu, dimanche, qui c'est jour de l'enfant, qui pral gagner dans le palais municipal de Delma, côté nous pral fêter avec 2000 timoun, et m'ta bien aimé capable prendre tout timoun, mais nous obligés faire quand même en sélection de plusieurs types d'enfants. Ça veut dire que des timoun en situation de domesticité, timoun des rues, timoun qui vivent en orphelinat et des timoun des écoles publiques et même privées, t'as souhaité gagner avec. N'a pas poursuivre avec Journal ça ensemble avec ministère communication qui recevoit lundi 4 juin en directrice générale Institut bien-être social et recherche Ariel Gentil Villedroin dans cadre 44e conférence lundi de la presse. Dans occasion en directrice générale Iberslan palais sous mission institution hein, processus adoption yon timoun dans pays d'Haïti femmes yo fè nan niveau ça pour assurer protection timoun à travers adoption. On suit yon extrait nan micro Rachel Saint-Fort ak Moïse Wilbridge. De 2012-2013, nous t'ai fermé adoption en Haïti pour nous t'ai ka fè une sorte de réforme qui gagne toute garantie pour assurer nous que l'adoption c'est vraiment en mesure de protection. De 2004 à 2012, nous t'ai gagné Haïti passé de 8e position à 4e position après la Chine, l'Éthiopie et la Russie. Ou après que nous passons, nous avons gagné au moins de 2004 à 2012 près de 14 000 timoun qui partent en adoption. Donc près de 1 300 timoun l'an. Avec réforme, ça, nous avons moins de 400 timoun qui partent chaque année. Nous passons maintenant à l'adoption nationale et l'adoption internationale. Parce que il y a des critères, bien entendu. Ou après qu'en Haïti, c'est un couple hétérosexuel qui a adopté un timoun. Il y a un certain âge, c'est à partir de 30 ans jusqu'à 50 ans. Et il faut qu'il y ait 5 ans de vie de mariage ou 5 ans de vie commune prouvée par autorité compétente, si c'est vie commune. Et donc, il y a un pile critère qui supposait respecter. C'est pour ça que là, nous recevons agrément, bien-être social que l'autorité centrale là, obligé de traiter dossier et voir si vraiment mon apte est crédible et s'il répond à la loi haïtienne. Donc, à ce moment, nous-mêmes, de tout orphelinat nous gagnons, ça veut dire nous avons une base de données, un réservoir qui là, et nous faire les parents biologiques, là, c'est à ce moment que nous formation dans le bien-être social. Après formation, ça, nous supposons voyer parents devant un juge pour enfants. Et c'est là que il y a consentement légal. Là, l'arrivée est devant un juge pour enfants, il y a consentement, et à ce moment, il y a un mois de rétractation. Ça veut dire que parents ont droit à n'importe quel moment. L'on réfléchit que. Sincèrement, Timoun, personne ne peut pas remplacer maman ou papa, même leur en adoptant, décider pour le faire. Mais il faut réfléchir, est-ce que c'est une bonne solution pour Timoun? Donc, il y a un mois de rétractation. Et à ce moment, parents, lui-même connaît si vraiment, ils voulaient continuer dans l'adoption. C'est soit le présenter devant le juge là pour dire que je ne vais pas continuer. Et à ce moment, on quitte le dossier à tomber et nous réinsérer Timoun dans la famille. Ou bien, s'il ne peut pas présenter, consentement légal, ça, retourner dans le bien-être social et nous procéder à apparentement Timoun avec des parents. C'est-à-dire, nous garder profil qui est plus propice à Timoun. Ça, pas oublier que nous avons des Timoun avec des handicaps, nous avons des Timoun avec des besoins spéciaux, ou des Timoun à partir de 6-7 ans, c'est des Timoun à besoins spéciaux. Parce qu'en général, nous avons toujours demandé des petits bébés, demandé des Timoun 1 an, 2 ans. Donc, ça veut dire que nous avons des considérations pour nous faire, pour nous garder qui profil qui correspond mieux à Timoun. Ça. Donc, à ce moment-là, là, nous finissons faire apparentement. Parents adoptants qui recevoir profil Timoun, voyons réponse pour le dire oui que d'accord apparemment, donc nous avons lettre de poursuite à la procédure. Et après ça quand même, nous demandons Mounio pour rentrer en Haïti pendant 2 semaines pour une période de socialisation. N'a tout profité enchaîner pour nous dire coup de thème, tant que tout citoyen, c'est sous thème ça, responsable Institut Bien-être Social à Créchechio, a célébré Journée nationale Timounio dimanche 10 juin, Cap Vinila. Pour marquer journée si la directrice générale Iberslan, Ariel Gentil-Villedroin, annoncé une semaine activité, tokou conférence, causerie, activité, salon, protection, timoun. On suive.
année ça, moi j'ai comme d'habitude le salon de protection des enfants. Li vraiment son salon qui institutionnalisé parce que depuis moi j'ai dans bien-être social, ça fait 6 ans que nous pas gagner. En général, nous toujours fait dans espace, c'est la nouveauté année non espace qu'on l'hôtel etc. année ça n'a fait dans bien-être social. Et nous pas rénover quartier dans le sens que ou après que quartier a tourné beaucoup plus ami des enfants. Sous tout quartier, oui, Marguerite, non, pral gen des dessins, côté pral gen des petits moun, pral gen des activités récréatives, côté petit moun yo ka senti que yo gen une institution côté yo ka vinn parler, côté yo ka vinn poser question et si yo gon problème que yo ka vinn parler avec nous. Et faut pas oublier que depuis 2012 nous t'ai inauguré un centre d'alerte côté où t'ai carrelé en tant que citoyen pour expliquer ça qu'a passé si par exemple dans nos quartiers où y a baton petit moun y a violé li en situation de domesticité, comment pour gon implication citoyenne. Donc c'est dans ce sens que Anessa nous dit bon, n'a continué dans même mouvement plutôt nous faire dans bien-être social et me profiter inviter tout citoyen dans pays, toute société civile, dans tout partenaire, venez dans bien-être social si nous voulons connaître ça n'a fait, qui mission nous, qui vision nous, qui ça n'a fait dans protection ti monde, qui style réforme que nous fait déjà. Donc l'important est pour tout le monde qui vient dans bien-être social pendant 2 jours ça yo, qui c'est vendredi et samedi. Et bien entendu dimanche qui c'est jour de l'enfant qui pral gagner dans palais municipal de Delma côté nous pral fêter avec 2000 timoun et m'ta bien aimé capable prendre tout timoun mais nous obligé faire quand même en sélection de plusieurs types d'enfants. Ça veut dire que des timoun en situation de domesticité, timoun des rues, timoun qui vivent en orphelinat et des timoun des écoles publiques et même privées t'a souhaité gagner avec.